Bonjour, une petite nouvelle concernant le sondage que j'ai mis en place hier. Donc, pendant le live du lundi soir, normalement c'est de 20h30 à 21h. Là, on a un peu dépassé, on a fait 1 heure quoi, de live, 20h30, 21h30. Et j'ai mis l'idée de vous faire un live spécial parce que bon, il y a beaucoup, beaucoup de morceaux d'harmonica que je peux vous jouer. Là, j'ai plus de 6000 partitions derrière moi et il y en a même ailleurs. Des partitions de piano, pourquoi pas, qu'on pourrait aussi jouer à l'harmonica, parce que tout est jouable sur cet instrument magique. Et donc, je me suis dit, plutôt que de prolonger les lives et puis faire de temps en temps de jouer des morceaux, etc., plutôt consacrer les lives du lundi soir aux questions-réponses et puis jouer des morceaux, le faire à un autre moment de la semaine. Et donc, j'avais proposé le mercredi, parce que bon, le mardi soir, je suis déjà en cours d'harmonica. Le jeudi soir également, le vendredi soir, bon, il y a pas mal de gens qui sortent. Le samedi soir, moi, enfin, rarement, je fais plutôt des loisirs. Et puis, bon, le dimanche soir, bon, c'est pareil, quoi. On n'est pas tous devant notre écran, en train de suivre un live, quoi. Plutôt en famille le dimanche, quoi, entre amis. Donc, je me suis dit, le mercredi soir, ça peut être l'idéal. Et donc, j'avais dit, par contre, si j'ai pas au moins 10 personnes qui répondent positivement à cette idée, je le fais pas, parce que l'idée, quand même, c'est que ça. Ce soit plaisant pour tout le monde et que enfin que ce soit que ça que ce soit on va dire que ça plaise à la plupart d'entre vous quoi. Si la plupart m'avaient dit ouais bof pourquoi pas bon ça me dit trop rien bon je l'aurais pas fait c'est pas grave hein. Je veux dire si je lance une idée si ça plaît pas je fais autre chose. Moi j'ai tellement d'idées tellement de choses à vous partager que bon parfois ça arrive de lancer une idée, de lancer même une idée de formation en disant bon ouais, pourquoi pas, bon, enfin bon, c'est pas ma priorité. Je dis bon ça n'intéresse pas grand monde, je ne vais pas passer du temps à faire des choses qui ne vous plaisent pas, quoi. C'est pas non plus. Voilà, c'est comme un artiste qui se dit, tiens, oh, j'ai peut-être chanté ce type de chanson, puis en fait son public se dit, non, mais bon, ça ne m'intéresse vraiment pas, bon, ce genre de chanson, bon, c'est vraiment pas mon truc. La personne sait qu'il n'aura aucun succès avec ça, il fait autre chose, quoi. Même, ou alors il le fait pour lui-même. Pour s'amuser chez lui, mais il va pas produire, il va pas mettre faire tout un travail qui va durer du temps, 1 an, 2 ans, pour sortir quelque chose dont personne ne voudra jamais, quoi. C'est évident. Bon. Donc, j'avais dit, donc il me faut au moins 10 réponses positives. Et puis je me suis dit, ouais, 10 réponses positives, là, d'ici mercredi, ça va peut-être un peu court. Et en fait, pas du tout. Et alors que c'est le sondage, je l'ai lancé hier soir, donc vers 22h, en 12 heures seulement. Alors qu'il y avait quand même la nuit, quand même, il y avait quand même pas mal de gens qui dorment la nuit, moi aussi. Et ben en fait, il y avait déjà 12 réponses. Donc, 12 réponses positives. Donc, je trouve ça vraiment bien. Le seul truc, c'est que dans les réponses, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur l'horaire. Genre, j'ai proposé plusieurs horaires et tout le monde n'est pas complètement d'accord. Donc, plus il y aura de réponses, plus je pourrai choisir un horaire qui correspondra à la majorité, parce que bon, il faut bien que je me réfère à la majorité, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas non plus faire un live de 2 heures ou 3 heures, parce que bon, enfin, c'est pas que je vais m'essouffler, mais j'ai autre chose à faire, quoi, dans ma journée, évidemment, je ne peux pas passer mon temps à jouer des morceaux en live. J'ai aussi des cours à créer, à préparer, puis bon, gérer une école de musique, c'est quand même beaucoup de travail. Donc, je vais faire 1 heure de live, pas plus, mais il faut que je trouve un horaire qui convienne à la plupart d'entre vous. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour répondre au sondage. Ça se remplit en 3 minutes. C'est simplement de me donner les styles de musique que vous préférez parce qu'on va faire des lives à thème. C'est-à-dire que tous les mercredis soir, on va dire, bon, par exemple, enfin, demain, qu'est-ce qu'on va faire comme thème? Bon, voilà, un thème sur un style de musique qui plaît à la plupart d'entre vous. Et puis la semaine suivante, on fera un autre thème, etc. Donc les thèmes, ça peut être les chansons françaises des années 1970 ou 1870, ou ça peut être les chansons des Beatles des années 1967 à 1970, ou ça peut être des ballades de blues, ou ça peut être des morceaux de jazz swing, ou des morceaux de rock des années 90. Enfin voilà, c'est des thèmes comme ça. Et je vous joue 15 morceaux pendant 1 heure. Donc, 15 morceaux, il y a à peu près 3 minutes par morceau, ça fait 45 minutes, et puis un quart d'heure pour répondre à vos questions sur les morceaux, sur ma manière d'interpréter les morceaux. D'accord? Donc, là, c'est sûr, je fais le live dès demain, donc mercredi soir, donc pendant 1 heure pour vous jouer des morceaux à l'harmonica, puisque j'ai eu au moins 10 réponses positives, donc je le fais. C'est une promesse, donc je tiens toujours mes promesses.
Par contre, comme je ne suis pas sûr de l'horaire, moi, ça ne me dérange pas de faire un horaire plutôt qu'un autre dans la soirée, mais il faut que vous puissiez voilà, au moins répondre. Et plus j'aurai de réponses, si j'ai 30 réponses d'ici mercredi midi, et que bah, là, il y a vraiment un horaire qui se dessine, qui requiert la majorité, une large majorité, eh ben, je prendrai mes décisions en ce moment-là. Donc, ce que je me demande, c'est là, on est le 29 juin 2021. Mardi, là on est mardi midi, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Si vous pouvez répondre à son âge avant, on va dire, avant le mercredi 30 juin 2021 à 11 h, ça me permet de, comme ça, de récupérer toutes les infos. Et puis comme ça, demain matin, donc pendant le live backstage du matin, je pourrais vous dire quelle horaire on choisit et je vous donnerai l'info, même si vous n'êtes pas en direct demain matin de 11 h à 11 h 30 avec moi pour le live backstage du matin. Eh bien, je pourrais vous dire quel horaire aura été choisi. Et comme ça, bah vous saurez, voilà, mercredi de telle heure à telle heure, c'est mini-concert, concert à thème, et vous pourrez venir, on sera, j'espère, nombreux. Et puis comme ça, on pourra échanger sur les morceaux et on va bien s'amuser tous ensemble. OK? Voilà, donc je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Pourrait prendre en sondage et je vous tiens au courant de l'horaire du live du mercredi soir sur les morceaux d'harmonica. Allez, à très vite!